Good morgen, Aliden, et aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batreina et Marie-Mériam Badjuli, les Bet Berda. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous, c'est sur Masechet Nedarim, Perektet Mishnah Yud. Konam Sheini Noset, Plonit Keura, Varina Ashkora, Vari Levana, Ktsara, Vari Yaruka, Mutarba, Velomi Pne Sheini Keura, Venasit Ma Ashkora, Venasit Levana, Ktsara, Venasit Aruka. Et la Chaneder Taout. On s'intéresse, comme depuis le début du chapitre, à savoir quelqu'un qui prononce un éder, mais qui considère mal les éléments du néder, et suite à ça, en fait, il s'avère que ce qu'il a interdit, il ne fallait pas l'interdire. Est-ce que c'est interdit ou pas? C'est ce que la Mishnah va me dire maintenant, avec encore une nouvelle situation. Konam Sheni Noset Plonit qui aura, je fais le néder, que je ne veux pas marier avec cette fille parce qu'elle est vraiment moche. Varina, elle est très jolie. Tu l'avais vue de loin, tu ne l'avais pas vue de près, tu as entendu sur elle, on te l'a. Va la voir, tu vas voir combien elle est, au contraire, elle a plein de. Elle a une belle grâce, elle est jolie. Dans ce cas, Evarina, elle est belle, ou bien encore Shchora, elle est mat de peau. En fait, tu l'avais vu quand il y avait de l'ombre. Va la voir, elle est blanche. Vari Levana, ou encore Tsara, Vari Aroka. Elle est toute petite, 1m60, 1m40. Et après, on ne dit pas du tout, elle est grande, 1m70. Tsara, Vari Aroka, dans ce cas-là, Mutarba, il a le droit directement, il n'a même pas besoin d'aller voir un Chacha pour me mettre un éder pareil. Tu t'interdis une carotte en tenant un concombre. C'est ni une carotte, ni un concombre. Il n'y a pas eu de néder. D'accord? C'est le même principe. Maintenant, ce que la Mishnah me dit, l'homme ipne sheikiura venasitna, attention, on ne parle pas qu'elle était moche et qu'elle est devenue jolie. Ou shchora venasitna, qu'elle était noire, et puis que non, elle est devenue blanche. Comment on a fait? Je ne sais pas. Allez demander à Michael Jackson. Tsara venasitaruka, elle était courte, elle est devenue longue. Alors, elle était, quand il a refusé le shidour, elle avait en fait 14 ans, elle était toute petite, puis d'un coup elle s'est mise à pousser comme une asperge. On parle pas de ça. Et là, on parle du cas où c'est un neder taout, on parle du cas où elle a prononcé le neder en se trompant. Ok, c'est clair, donc en fait, je me suis trompé, j'ai mal considéré les éléments, je n'ai pas voulu cette chose-là parce qu'elle était. Elle avait tel défaut, en réalité c'était une erreur, elle n'avait aucun défaut, elle était parfaite. Mais elle n'a pas changé. Là, maintenant, on va passer dans une histoire avec Rabbi Ishmael, qu'apparemment la Mishnah va vouloir apporter une histoire qui correspond à ce qu'on a appris, mais en fait, qui n'est pas du tout la même chose, parce que Rabbi Shmuel, il va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, la Mishnah me raconte au Ma, c'est Be'echad Shenadar Mibatachoto Anaya. Il y a une fois où un homme, il avait fait le neder de ne pas se marier avec la fille de sa sœur. On peut se marier avec la fille de sa sœur, la fille de son frère, la fille de sa sœur, c'est même bien, c'est même mis à se marier avec elle, c'est bien dans le Ramban. D'accord? Et donc, on avait voulu prononcer la fille de sa sœur, elle a dit non, pas du tout, je n'en veux pas, elle n'est pas jolie, elle est moche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette fille-là? Vichniswa le bet Rabbi Ishmael, Veipua, ils l'ont amené chez Rabbi Ishmael, et dans la maison de Rabbi Ishmael, il a donné des instructions à sa femme, à sa fille, rendez-la belle, grandissez-la. Veipua, ils l'ont rendue belle, ils l'ont maquillée, ils l'ont entretenue, ils l'ont bien coiffée, ils l'ont habillée avec un peu plus de style, avec un peu plus de classe. Amalo Rabbi Ishmael, après, Rabbi Ishmael, il a appelé le bachour, enfin l'oncle, le dis-moi. Béni, les zones d'enfer pour une fille comme ça, tu la refuses. Regarde comme elle est gracieuse, regarde comme elle est belle, elle est douce, elle a des beaux traits, regarde là. C'est ça ce que tu t'interdis? Amalola, ben non. Si j'avais su qu'elle pouvait être tellement jolie et tellement s'entretenir, jamais je l'aurais interdit. Vitiro Rabbi Ishmael. Là, Rabbi Ishmael, il a dû permettre le néder. C'est une histoire qui ne correspond pas avec son avion. Parce que là, on a dit qu'on s'est trompé quand on a prononcé le néder. Là, on ne s'est pas trompé. Elle était réellement moche quand elle a prononcé le néder. Mais avec une certaine mocheté qu'on pouvait, malgré tout, améliorer et entretenir. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'a fait Rabbi Ishmael. Dans ce cas-là, Tanakama, il pense que ça ne marche pas, et c'est comme ça l'alakha. Mais Rabbi Ishmael, il pense que c'est une bonne... Parce que ça s'appellera Nolad, comme on avait expliqué dans le cours précédent, on avait rappelé l'histoire. On a changé la donne, si on change la donne, on ne peut pas permettre un neder. Il faut regretter un neder avec des éléments qui étaient présents au moment où on a prononcé le neder. Mais Rabbi Ishmael, il ne pense pas comme ça. Rabbi Ishmael, il pense que la beauté potentielle, elle est quand même présente depuis le début, n'importe quelle femme, mais une grande partie de femmes qui paraissent moches, avec un petit peu d'entretien, un petit peu de... Ouais, un petit peu, beaucoup même des fois,
Mais en tout cas, c'est toujours faisable de l'améliorer. Pas besoin de faire des chirurgies esthétiques, on peut même juste entretenir, maquiller, embellir, coiffer proprement, habiller avec classe. Et dans ce cas-là, elle prend beaucoup plus de valeur. Ça, ça suffit pour Rabbi Shmuel. Dans ce cas-là, il va falloir lui permettre le neder. Be'ota sha'a bachar Rabbi Shmuel. Au moment, en tout cas, où ça s'est passé cette histoire avec Rabbi Shmuel, que le fameux oncle était prêt finalement à se marier avec sa nièce, parce qu'en fait, elle était jolie. Il a pleuré Rabbi Shmuel, il a dit, Vamar, benot Israël na'ot hen. Les filles d'Israël, elles sont jolies, elles ont une beauté interne. Et la she'aniut menavlatan, c'est le fait qu'elles sont pauvres, qu'elles n'ont pas les moyens de s'entretenir, qu'elles deviennent moches. Mais en réalité, si elles avaient les moyens, elles seraient belles. C'est une manière de pleurer. C'est pas qu'il pleure sur le monde d'Israël, c'était sûrement en rapport plus avec, j'imagine, la Galoute ou avec le Am Israël qui n'était pas dans son matzav maximal, ou malgré, en fait, c'est comme le principe, Shchora Yevenava Benot Yerushalayim, quand il y a quelqu'un dans Shirachirim, j'ai l'air noir, mais en fait, je suis blanche. Parce que je suis noir, c'est parce que j'ai pas de maison pour habiter, donc le soleil frappe sur moi. Du coup, j'ai une tête de. Je suis mat comme un. Je sais pas quoi, comme je n'ai pas envie d'être raciste non plus. Donc, du coup, c'est pour ça, mais en fait, ma beauté interne, c'est une grande blancheur, seulement je parais noir. Ok? Et c'est sur ça que le Rabbi Shmuel a dit, Benot Israël, en fait, le Ham Israël, il est beau, et les filles d'Israël, elles sont belles, seulement malheureusement, la galoute et les malheurs font qu'on... Shaniut Menov Latan, elle nous rend moche. Et suite à cette histoire, d'ailleurs, il y a une autre anecdote. Pour Shemet Rabbi Shmuel, quand il est décédé, Rabbi Shmuel a eu Benot Israël Nosot Kina Vamrot. Il y avait les filles d'Israël qui pleuraient et qui prononçaient une oraison funèbre. Vous savez, quand on porte le... À part les spédim, il y a une kina. Comme les kinot de Tisha B'Av, en l'occurrence, des lamentations. On pleure en disant, et les filles, elles appelaient Bnot Israël, El Rabbi Shmuel Bechena. Pleurer, fille d'Israël, pour Rabbi Shmuel. Parce que Rabbi Shmuel, c'est vous qui entretenez, qui a ouvert la. Du coup, apparemment, j'imagine qu'après cette histoire, ça s'est passé que les gens ont compté comment Rabbi Shmuel, avec sagesse et avec bien d'investissement et intérêt, il a réussi à prendre une fille qui paraissait moche, à la rendre belle au point qu'elle peut maintenant se marier. Et du coup, Vechen, et même aussi même principe avec Shaoul, Vechen ou Omer, ainsi le passouk nous dit à propos de Shaoul, Benot Israël el Shaoul Bechena, fille d'Israël, pleure aussi pour Shaoul quand il est décédé, Shaoul, les filles invitées, les autres filles à pleurer vous aussi avec nous, parce que l'honneur de... à l'époque de Shaoul, il y avait beaucoup d'honneur aux filles, dans la mesure où Shaoul a beaucoup œuvré pour rendre jolies les filles, c'était le début de la malchoute d'Israël, j'imagine, il y a un passage qui nous dit qu'il les habillait, il habillait les jeunes filles, pauvres sûrement, qui n'arrivaient pas tellement à se marier, je ne sais pas s'il avait ouvert un gmar, ou je ne sais pas exactement, pour les en tenir, pour qu'elles soient encore plus séduisantes, pour qu'elles puissent se marier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.